Après la tomate, la courgette est de loin la culture qui procure le plus de récoltes au potager. Des dizaines et des dizaines de kilos, des récoltes en plus qui s'étalent sur plusieurs mois. Des variétés anciennes qui font que le goût, les couleurs, les formes varient en permanence. C'est clairement une culture indispensable à chaque saison et en plus assez facile à réussir s'il fallait la comparer à d'autres cultures. Mais il y a tout de même des facteurs clés de réussite qui sont incontournables si l'on souhaite avoir à la fois de la quantité, du goût, si l'on souhaite se nourrir au mieux, nourrir ses proches au mieux avec ses propres légumes venant de ses propres actes, et ça, c'est toujours quelque chose de très fort. Voyons ensemble comment réussir au mieux cette culture de courgettes. Elles sont sans fin, des dizaines, des centaines même, que vous pouvez retrouver sur tous les sites de semenciers. Je vous mets comme à l'habitude le fichier des semenciers disponible sous la vidéo. Vous y trouverez tous les sites sur lesquels trouver des variétés à la fois biologiques, des variétés non F1, c'est-à-dire que vous pourrez garder les graines pour ressemer à l'identique les saisons suivantes. Quelques variétés coup de cœur que j'ai essayé au potager ces dernières années. La Gold Rush, une courgette d'un jaune éclatant, très productive au potager et très délicieuse en plus. La Cocotzel, tout autant productive, rayée de différentes couleurs de vert. Pour finir, la jaune à col croque-neck en forme de poire avec une peau rugueuse, vraiment une variété très originale. J'ai de souvenirs plein la tête vraiment de me régaler de cette variété et peut-être je la ferai cette saison. Le semis de courgettes se fait la plupart du temps en godet, voire en barquette, sous abri, hors gel, parce qu'il faudra s'y prendre un peu tôt dans la saison quand les risques de gelée sont encore présents. Par contre, inutile de s'y prendre trop tôt parce que le plant de courgettes pousse à une vitesse folle. En 4 semaines environ, vous avez déjà un plant qui est prêt à planter en extérieur. Alors ici au potager, chaque saison, je ne commence pas mes semis avant début avril, voire même mi-avril. Et à la mi-mai, j'ai déjà mes plants de courgettes qui sont prêts à être plantés en extérieur au potager. Je fais mes semis tranquillement dans ma serre avec un chauffage qui déclenche si jamais les températures descendent sous 2 degrés pour éviter tout risque de gel. Toujours les mêmes conditions de réussite pour les semis, une lumière optimale, une humidité du terreau la plus constante possible et puis une température la plus douce qu'il soit, mais surtout, surtout, éviter le gel. Bien sûr, vous pouvez aussi vous procurer directement des plants de courgettes que vous trouverez partout dans le commerce à partir de mi-avril et encore plus au mois de mai. À partir de mi-mai, on pourra semer directement en pleine terre. J'en fais ici chaque saison toujours 2-3 plants que je sème plus tard. Ça permet de vraiment échelonner les récoltes. Ce sont des plants qui vont garder une belle vigueur jusqu'au mois d'octobre facilement. Ici, pour nourrir une famille de 4 personnes, encore la saison dernière, j'avais 7 plants et c'était trop. On a eu des récoltes folles. Alors c'est vrai, on a eu une très bonne production. Les récoltes ont été abondantes. On a pu congeler, faire des préparations, faire des tiens, faire des ratatouilles. On a pu donner, troquer. Mais c'était quand même vraiment trop. Et comme chaque plant de courgette prend quand même une place très conséquente, il faut prévoir plus d'un mètre carré. C'est quand même de la place qui peut être à profit pour d'autres cultures. Alors cette saison, j'essaierai de mettre que 5 plants et je pense que ça suffira largement pour nourrir la famille sur des semaines, sur des mois et aussi pour préparer des préparations congelées pour cet hiver. Quoi qu'il en soit, essayez d'avoir au moins 2 plants dans votre potager parce que pour des raisons de pollinisation croisée, les insectes aiment beaucoup aller d'un plant à l'autre. C'est très bien d'avoir 2 plants. Ça maximisera grandement les chances de pollinisation et donc d'avoir des récoltes plus abondantes. En parlant d'implantation au potager, j'aime bien associer les plants de courgettes avec des aromatiques. Souvent, les aromatiques n'aiment pas trop la pleine exposition, le plein soleil. Au contraire, ils aiment bien la mi-ombre. Et comme les plants de courgettes ont des feuilles absolument majestueuses, ça fait une belle ombre portée sur le sol. Et j'aime bien caler du basilic, par exemple, sous les plants de courgettes. Très souvent, ils s'y régalent, ils se développent vraiment bien. L'humidité est encore mieux préservée, une certaine douceur aussi. Au contraire, j'ai essayé parfois d'associer d'autres cultures, notamment des betteraves assez rapprochées sous les feuilles de courgettes. Et là, le succès était moins flagrant, voire souvent décevant. Mais au contraire, vraiment, les aromatiques, là, c'est un régal, elles s'y régalent. La courgette est une plante allogame qui s'hybride très facilement. Allogame veut dire que vous avez sur un même plan des fleurs femelles et des fleurs mâles. On les distingue très facilement. Les fleurs femelles
font suite à un bébé courgette, alors que les fleurs mâles, elles, font suite à une petite tige. Avec l'habitude, vous verrez, vous les reconnaîtrez très facilement. Les plantes allogames sont différentes des plantes autogames, comme la tomate par exemple, où là vous avez l'organe femelle et l'organe mâle dans la même fleur, ce qui fait que les risques d'hybridation sont beaucoup moins grands, voire sont quasi nuls. À noter que les fleurs de courgettes se mangent notamment en beignet, c'est délicieux, mais bon, il faut quand même en laisser de nombreuses sur les plants pour permettre la pollinisation et pour espérer avoir de nombreuses courgettes. Parfois on ne voit que des fleurs mâles et pas de fleurs femelles. Ça veut dire souvent que le plant manque de nutriments ou alors qu'il est stressé, par exemple par des fortes chaleurs. Des canicules de cette saison passée par exemple ont généré parfois ces symptômes. On avait des plants avec uniquement des fleurs mâles. Parfois aussi vous allez avoir votre petit bébé courgette qui va comme avorter, il va pourrir et il va tomber au sol avec la fleur femelle. Alors ça peut avoir plusieurs raisons. Là aussi le plant peut avoir un stress et il va faire avorter ses bébés courgettes. Le sol peut être trop pauvre et le plant ne va pas se sentir capable de fructifier. Ça peut être aussi un manque de pollinisateurs parce qu'on a besoin de pollinisateurs pour avoir des courgettes. Il faut faire la liaison entre les fleurs femelles et les fleurs mâles et ce seront par exemple les abeilles qui vont faire ce travail-là. Mais qui dit liaison dit aussi risque d'hybridation parce que les abeilles ne vont pas forcément rester sur le même plan. Elles pourront aller d'une fleur mâle à une fleur femelle d'un autre plan. Et si vous avez plusieurs variétés de courgettes sur votre potager, eh bien il y aura hybridation. Si vous gardez les graines, l'année suivante, vous aurez une graine qui aura été hybridée de deux variétés, voire même hybridée avec des courges parce que les courges font partie de la même famille que les courgettes, la famille des Cucurbita pepo. Et cette famille comprend les citrouilles, les courges, les coloquintes, les pâtissons aussi. Donc tout ça peut s'hybrider. Alors à vous de peut-être ne semer qu'une variété de courgettes et de l'isoler à un endroit précis du potager pour minimiser les risques d'hybridation si vous voulez garder les variétés d'une année sur l'autre. La courgette, comme bon nombre de légumes, est assez gourmande en minéraux. Pour les trois essentiels, azote, phosphore, potassium, elle réclame environ 10 grammes par mètre carré pour avoir la meilleure croissance, qu'il soit tout au long de sa culture. Alors toujours les mêmes solutions pour préparer au mieux votre sol en amont de la culture, pour l'enrichir au mieux. Vous pouvez utiliser des composts de fumier, des composts maison, vous pouvez pailler votre sol avec toutes les matières organiques que vous trouverez et qui petit à petit vont enrichir votre sol. Vous pouvez utiliser des engrais verts, vous pouvez utiliser des engrais organiques, naturels, biologiques. Vous pouvez même aussi recycler votre propre urine. Bref, des tonnes de solutions pour à la fois recycler, valoriser tous les déchets végétaux, animaux, de notre environnement, de notre potager, de notre maison. Et dans le même temps, enrichir notre sol et cela de façon naturelle. Je me souviens une époque où j'avais un potager associatif, où j'avais des résultats assez décevants, et notamment avec les courgettes, alors que toutes les parcelles voisines étaient resplendissantes, et cela pour une seule et unique raison, parce que je n'arrosais pas. J'avais lu beaucoup de livres à l'époque où jardiner au naturel rimait avec ne pas arroser, alors que l'eau est clairement la première source de fertilité, encore plus quand on jardine au naturel, parce que c'est elle qui va vraiment aider à ce que le sol soit vivant. Et il nous faut un sol vivant quand on jardine au naturel parce qu'on apporte de l'organique et les légumes se nourrissent de minéraux. Et pour transformer les matières organiques en minéraux, ça passe par la vie du sol, ça passe par tous les micros, macro-organismes, bactéries, champignons. Alors que dans un potager chimique, ce seront des engrais qui seront perfusés. Et là, la vie du sol n'aura guère d'importance. Mais quand on jardine au naturel, on a besoin de vie du sol, et la vie du sol, comme nous, a besoin d'eau, c'est 80% d'eau hein, quand on parle de vie. Alors ici, j'arrose tout simplement au ressenti, je maximise mes pratiques pour réduire au mieux les besoins en eau, je paille énormément, je fais en sorte de développer un sol vivant qui va retenir la moindre goutte d'eau, qui va être très spongieux, et je ressens tout simplement mon sol, ce qui veut dire que parfois, si tôt une pluie, bien sûr, je n'aurai pas à arroser pendant quelques jours, mais au contraire, avec des rude période de canicule, de sécheresse, de vent, de forte chaleur, il faudra, même avec un gros paillage, arroser peut-être une fois, deux fois par semaine, ce qui est déjà
quelque part un exploit, parce que si vous jardinez sur sol nu dans les mêmes conditions, il faudra arroser une fois, voire parfois même deux fois par jour. Alors à vous d'optimiser au mieux vos pratiques pour à la fois récupérer la moindre goutte d'eau, la garder dans votre sol pour éviter qu'elle ne ruisselle, ça passe par un sol vivant, spongieux, et à vous de protéger votre sol pour garder au mieux l'humidité et éviter que l'eau ne s'évapore inutilement dans l'atmosphère. L'entretien de cette culture est on ne peut plus facile, si ce n'est à veiller à une bonne humidité constante au pied de vos plants, veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'herbes indésirables qui viennent à se développer, à faire concurrence à la culture. Peut-être aussi un apport d'engrais naturels, organiques en milieu de culture si votre sol de départ manque de richesse. Mais ici, je n'ai jamais eu à le faire. J'ai toujours eu un sol de départ suffisamment riche et les résultats ont toujours été très abondants, très performants. Même pas deux mois après la plantation, vous aurez droit à vos premières récoltes. C'est toujours un grand moment, un moment souvent de fierté d'ailleurs, pour nous, les jardiniers qui avons été responsables de cette culture de la graine jusqu'à bientôt l'assiette. Alors, se pose la question de savoir quand récolter ces courgettes. Je vous recommande grandement de les récolter quand elles sont encore toutes jeunes, toutes petites, parce qu'elles n'auront pas développé de graines à l'intérieur et la peau sera à la fois tendre, sera sucrée, sera extrêmement goûteuse. Et c'est toujours un vrai régal que ces petites courgettes coupées en rondelles, directement à la poêle, un peu d'huile d'olive, et c'est de suite un régal. Vous pouvez aussi les laisser grossir pour deux raisons essentielles, notamment pour faire des courgettes farcies. Vous enlèverez les graines au milieu et vous pourrez vraiment faire de délicieuses courgettes farcies. Ou sinon, pour prélever vos graines, vous laisserez grandir une courgette ou deux, ça suffit largement. Regardez déjà à l'image avec une seule courgette la quantité phénoménale de graines que vous avez. Donc dans ce cas-là, oui, vous laissez bien grandir une courgette, vous la laissez bien sécher des semaines durant et ça vous permettra de récolter des tonnes de graines pour ressemer à la folie les saisons suivantes. La courgette, comme bon nombre de cultures, va être forcément sensible à certaines maladies. Ici, c'est souvent l'odium qui s'attaque à cette culture. C'est un champignon qui fait comme un voile blanchâtre sur les feuilles. Mais il arrive assez tard dans la saison, ce qui fait que en fait, ça ne dérange en rien les récoltes. Elles sont tout autant abondantes. Et simplement, les plants dépérissent petit à petit en fin d'été. Donc je ne traite absolument rien, je privilégie beaucoup plus la richesse du sol vivant, je privilégie aussi la diversité des aromatiques pour déboussoler, je l'espère au mieux, les ravageurs par exemple. Et puis pour les bactéries, pour les champignons, j'accepte d'avoir quelques attaques, surtout quand elles arrivent tard dans la saison. Ce n'est pas bien grave, ça n'affecte pas grandement la productivité. Et ça préserve de ne rien traiter, ça préserve avant tout la diversité maximale et la vie maximale au potager. Et chez vous, alors je suis sûr que vous faites la courgette tellement elle est indispensable à tout potager. Alors partagez vos expériences, vos témoignages, racontez vos variétés, vos façons de gérer au mieux cette culture dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr liker, partager, interagir avec la vidéo. Si elle vous a plu, ça ne fera que plus m'aider à développer la chaîne. Je vous remercie beaucoup justement pour votre fidélité à la chaîne, pour partager ensemble cette passion. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !